Nourriture totalement végane. Buffet ouvert à tous. Partie vaisselle. Certainement un jeu. Ouais, des petits jeux comme ça en fait. Viser le trou. Ah, c'est pas con l'idée, c'est pas con. Très bonne après, idée. Après, l'autre adversaire doit pousser pour qu'il rentre dans l'autre côté. Ah. Et tout ça, on récup. Voilà. Tout ça, on récup. Comme le troisième dimanche de chaque mois, ici, place Sainte-Croix, il y a la zone de gratuité. Et nous sommes avec les fondatrices de cette idée. Bonjour. Alors, salut. Comment vous avez eu l'idée de mettre en place ce système? Alors, le concept, il existait déjà dans d'autres villes, en fait. Hein. On a juste mis ça en place ici. Donc, le principe, c'est de ramener des choses dont on se débarrasse et de faire, ça ressemble un peu à une brocante, sauf que tout est gratuit, les gens déposent, reprennent quand ils ont besoin, envie. Et qu'en plus on fait à manger. Et on fait un repas vegan avec de la récup du marché de Metz. C'est génial! Et donc ici, c'est le troisième dimanche de chaque voilà. mois, les gens viennent, les mains dans les poches ou avec des objets dont ils ont besoin. On pose, on regarde, on parcourt, on échange avec les gens et les objets ensuite deviennent vides. C'est ça, et puis ça permet aussi de manger, de discuter un peu avec les gens, de rencontrer les voisins et tout ça. Donc... De récupérer des vinyles de Claude François. Plein de choses intéressantes. Oui, donc par exemple, bon, on a des articles pour les enfants, des livres, mais il y a, comme pour les passionnés, il y a des disques de... Oh, lui, vous vous souvenez de lui, non? Oui. On vient à la zone de gratuité, et ben on peut avoir un exemplaire original de son CD, de sa musique, de ce qu'il est, de ce qu'il faisait. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Patrick Sébastien aussi, qu'on peut retrouver. Ce que vous ne pensez plus avoir besoin, vous le trouverez chez nous. Ici, c'est génial parce que c'est des choses qui ne servent plus et qui font le bonheur d'autres personnes. Des passionnés, ils vont être heureux de trouver tout ça à CDC. Donc, il y a vraiment tout. Après, il y a le service à thé. Avec du tournesol, c'est fleuri, c'est joyeux. Un bébé flippant.
Ben voilà, il y a vraiment tout ce que vous pouvez avoir besoin ou pas. Vous trouverez ici des rollers pour se remettre au roller en famille. Une box orange pour avoir internet, de la pâte à modeler. Des choses, des bouquins. Des bouquins, beaucoup de bouquins. Un large choix. Même à la médiathèque de Metz, ils n'ont pas de choix. Voilà. Voilà ce que c'est la zone de gratuité à Metz, donc le troisième dimanche de chaque mois, tout le monde est le bienvenu. Venez, les mains pleines, les mains vides, mais venez partager, échanger. Et merci aux fondateurs de ce beau concept. Ah, tu chantes pas, les joues. Faites votre travail, dame. Ouais, enfin, on en est rendu. Hein. On est quand même dans des parages capables de faire une vaisselle comme nous le ferions. Voici le sous-dame, la sous-dame, le troisième dimanche de chaque mois. Deux verres à tous et une zone de vaisselle. Allons la visiter. Allons la visiter ensemble. Allons la visiter de l'intérieur. On est dans la partie cuisine, c'est ça? Pas de visage, merci. Et en haut, il y a une partie couchage. Mais elle est occupée actuellement, donc on ira une autre fois. On est presque dans le McDo en ce moment. C'est fun! Voilà, ils l'ont visité.